beaucoup voyagé, des barracudas énormes, j'en ai vu plein. Mais de ce que j'ai entendu dire, l'endroit où je vais, c'est une autre dimension, une pièce gigantesque. Je suis en direction d'une immense lagune gabonaise, en bordure du golfe de Guinée, un plan d'eau saumâtre habité par d'énormes barracudas. Juste démarrer le moteur, c'est de l'exercice. Starter, pas de starter, essence, pas essence. Maintenant, je suis coincé ici, au milieu de nulle part. Ça, c'est pas cool du tout, quoi. Je vais regagner la rive et on verra après. J'ai repéré une pirogue, et on dirait qu'il y a un petit village. Avec un peu de chance, on va pouvoir m'aider ici. Bonjour. Bonjour, monsieur. Comment vous appelez ? André-Paul. André-Paul. Bonjour, André-Paul. Oui. Moi, c'est Cyril. J'ai un petit problème de... Le canot, mon moteur, il marche plus. C'est difficile. C'est quoi, le moteur? Je sais pas, j'arrive plus à le démarrer. Ça vous dérange pas si on va jeter un coup d'œil à mon moteur? J'arrive plus à le démarrer. Oh là, je marche avec une canne. Ah, une canne. Mais marchez-vous, tenez-vous à moi. Ah, ouais, à vous, hein? Ouais, ouais. On part ensemble. On part ensemble. Ok. Venez par ici. Ouais. Tenez-vous à mon épaule, si vous voulez. Comme non, vous là, ça va. Comme ça? Oh, allons. On marche bien. Les cheveux blancs ne disent rien. Moi aussi, les cheveux blancs. C'est bon, les cheveux blancs? Non, mais c'est bon. C'est la sagesse. La sagesse. André-Paul, de son surnom Solo, a vécu toute sa vie sur cette lagune. Et ici, les gens sont habitués à se débrouiller par eux-mêmes. Et comme presque tout le monde dans le coin, il a toujours pêché pour nourrir sa famille. Et il n'a pas de capot? Le capot du moteur, il n'a pas? Non, il n'y a pas le capot au moteur. C'est pas bon? Non, je sais, c'est pas bon. Mais bon, il n'y avait que ça. Je sais pas ce qu'il m'a vendu, hein, mais c'est un peu... Il t'a volé. Il m'a volé, hein, je me suis fait arnaquer encore. Hein. La pirogue est foutue. La pirogue, elle est foutue? La pirogue, elle est foutue et pourrie. Même ma pirogue, elle est pourrie. Même ma pirogue est foutue. Et ça, là, je ne peux pas embarquer sur ça. Non? Non. C'est vrai? C'est vrai. Il a tout fait noyer. André-Paul, il est plutôt du genre direct. Il prend pas de pincettes. Et il fait pas ça qu'avec moi. Bourreau! Ici, il n'y en a pas de clé de bougie. Va prendre d'abord la caisse. Débourre! Mon île. Il est en train de se faire broyer parce qu'il a pas rangé les outils. Ça me rappelle mon père. Ça me rappelle mon père qui me branchait à chaque fois que je rentrais. Je mettais pas les outils au bon endroit. Oh, les gens de jeunes ne comprennent pas. Tu vois. C'est revenu de fou. Ils n'apprennent pas, ils ne connaissent pas faire quelque chose. Finalement, il a trouvé la fameuse clé. On pense que les bougies sont un peu encrassées et rouillées. Et apparemment, c'est exactement ça. Ça, c'est du calamine. Ouais, il y a de la calamine un peu, ouais. C'est où le bon endroit pour les barracudas? Vous prenez le bord ici. Le bord du tombant ici. Hein. Voilà. Vous partez doucement, vous allez attraper les barracudas. Juste au bord du tombant. Allez, on espère que ça va marcher, non? C'est bon pour vous? Oui. Wouhou! C'est bon, ça! Merci beaucoup! Merci beaucoup! Et en plus de réparer mon moteur, il me vend un peu d'essence, au cas où. En retour, je lui offre la meilleure monnaie pour un pêcheur. Oui. Je dois en avoir un autre dans la boîte, là. Ouais, okay. Ça, c'est un bon repas, là. Ça, c'est bon, ça. Hein. Ça, c'est le gros. Il m'a aidé, et il est tellement sympa.
Je lui offre d'excellents leurres et du bas de ligne en acier. Spécial gros prédateur. Et bien sûr, quelques billets pour l'essence. C'est bon. Merci, chef. Merci beaucoup. Merci, Solo. Ça y est, mon moteur est réparé, j'ai de l'essence, et je suis reparti traquer le barracuda géant. Un barracuda, ça. C'est quoi ce poisson? Ouais. Oh, c'est une carpe rouge. C'est un coubera. C'est pas ce que je veux, mais superbe. Petit coubera. J'ai venu au Gabon pour en prendre un énorme. J'en avais pris un énorme. Celui-là, c'est un petit, mais je les adore, ces poissons. Ils sont super beaux. Regardez les dents aussi. Là, c'est un autre prédateur de la lagune. Allez, viens. Un petit coup d'adrénaline. Ça fait du bien.